beaucoup. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Julien, voilà, ici c'est moi. J'ai 29 ans et j'habite dans un sympathique village du sud de la France. Bon, je pourrais continuer à vous raconter ma vie, mais je vais en venir au fait. Je suis un gros fan de basket, sport que je pratique depuis plus de 20 ans, et j'ai toujours aimé le filmer, notamment son côté urbain avec le basket de rue. Quand les basketteurs jouent dehors, les règles sont simples. Tu organises ton équipe sur place, tu joues ton match, et si tu perds, tu sors. Il n'y a pas d'arbitre, ni de table de marque. Le playground. C'est le lieu où se déroule ce genre de rencontre et avec mon pote Max, armé de nos caméras, nous avons décidé de faire le tour de France afin de voir ce que ça donne dans 7 grosses villes de province. Nous avons donc rencontré les joueurs sur place, nous les avons filmés en train de jouer et nous avons sélectionné le meilleur. Je vous propose donc de nous suivre dans notre aventure et de vous faire votre propre avis sur les playgrounds de France. Ok, c'est parti, on est le 27 mai, il est 11h du matin, on est à Montpellier, il fait beau. 3000 bornes à faire pour faire le tour de la France, en espérant que le temps soit clément. C'est parti. Yeah, c'est SoulCast. Je passe un gros big up à tous les amoureux de streetball en France. Peace. Jacques Alingué de la JDA Dijon, le retour du streetball avec le projet Playground. Tu sais, le Playground, c'est un de ces endroits où tu verras des gens d'origine et de religions différentes se mélanger. Il faut garder ça. Yo yo, c'est le Book Diff Olkenry. Je place une pour tous les amoureux du streetball. Cheer, au max. Salut à tous, c'est Yann Maimi des Washington Wizards. J'aimerais passer un gros big up à tous les mecs du projet Playground. C'est Lyon, parce que moi, c'est ce que je connais. J'ai vu des joueurs très forts. Les gars, ils arrivaient à 14h et pointaient à 20h. La meilleure ville pour le streetball en France, je dirais Strasbourg. On a tous mes gars, les ballers de la citadelle Strasbourg. La meilleure ville pour le streetball en France, c'est Lille. Venez. Du basket, ça plus le basket ici. Ça a toujours été procès où ça jouait. Mais la meilleure ville, c'est Bordeaux. Je crois que c'est le terrain le plus beau que j'ai vu de tout le tour. Il n'y a pas de plus grand qui pourrait nous faire peur dans les provinces. C'est chez moi et ça a bien représenté. Enfin, ça, là, vraiment, Mazetet, c'est un délire de rue, quoi. Tu vois. Si on était vraiment dans l'esprit streetball. Et que dehors, que tu pouvais faire ce genre de truc-là, quoi, tu vois. C'est...